Et la patience, ce n'est pas juste dans la da'wa. Dans plein de choses, même dans la maladie, comme on a déjà détaillé. Le prophète Ayoub, il a fait 18 ans, comme c'est dans le Sahih Ibn Hibban, dans ce que Cheikh Al-Albani, rahimahullah, 18 ans de maladie. Est-ce que vous vous imaginez ça? Au point où presque tous ses proches l'abandonnèrent. Au point où un des enfants de sa tante a dit, peut-être qu'il a commis un péché que personne n'a commis. T'as dit, peut-être qu'il a fait un péché que personne n'a fait. 18 ans, il est malade, il invoque rien. Pas de guérison. Vous imaginez? C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a fait ses éloges. Allah subhanahu wa ta'ala a dit quoi? Surat 38 au verset 44. Inna wajadnahu sabiran. Ni'mal abdu. Innahu awwab. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, oui, nous l'avons trouvé vraiment endurant. Quel bon serviteur. Sans cesse, il se repentait. 18 ans, tu es malade. Tu t'imagines? Tu invoques Allah. Il n'y a pas la guérison. Ce n'est pas un an, ce n'est pas deux ans. Parce qu'aujourd'hui, tu vas voir des gens, un an, il est malade, deux ans, il invoque, il n'y a pas la guérison, il va chez le charlatan. Un an, deux ans, c'est même trop. Un mois, une semaine, quelques jours même parfois. Ça ne va pas, il a essayé de faire un peu la roque, et bien là, il fait des doigts, ça ne passe pas. Il est chez le charlatan. Là, on t'a dit qu'un prophète a passé 18 ans. Il est malade pendant 18 ans. Pendant tout ce temps-là, il invoque Allah, il fait des doigts, rien, pas de guérison. Dans un an, tu es malade. Deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, six ans, sept ans, huit ans, 18. C'est beaucoup. Malgré cela, patientez. Aujourd'hui, là, quelqu'un a une petite maladie là, de deux mois là, c'est fini. C'est où? Ah, j'ai essayé de faire, j'ai fait doa, vraiment, c'est compliqué, la roue, il n'y a rien à faire, je vais aller au charlatan. Et il va là-bas, il va vendre sa foi. Qu'Allah nous en préserve. Tout ça, manque de tawhid, manque de sobre, de patience, manque de haine. Parfois c'est le hawa, parfois aussi c'est la passion. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين